Voilà Freddy, vous avez gagné Ypres. Je crois que vous êtes déjà au courant que David a bien roulé à Magny-Cours. Oui, il a très bien roulé. C'est beau pour lui parce que jusqu'au mois, je crois que le début n'était pas trop facile, le même pour moi. Donc c'est comme je dis, ça, c'est très important faire le bon choix sur le bon moment. David, je pense que vous connaissez Freddy parce que vous avez le même préparateur physique. Oui, tout à fait, parce que hier j'ai eu Gerrit au téléphone, qui est l'entraîneur de nous deux en fait. Et puis il m'a dit, Freddy va très très vite, il faut que tu le fais aussi. Et donc j'ai suivi ses conseils et j'ai essayé d'aller très vite et je suis terminé sur le podium. Freddy Lorenz et Sven Smith, Freddy Loack s'impose avec 39 secondes d'avance sur Lundgaard et 48 secondes sur Sneijers. David Loack est quatrième, Rocco Tönnissen sixième, Chris Prinsen gagne en deux roues motrices devant Laurent Verhoestraat et Henrik Berton. Au tiercé Champions, gagne une place de copilote au prochain Champions Day, monsieur ou madame Guillaume, Voet et Connard. Gagne un livre 1001 virages, monsieur ou madame Bolland, Laroche, Lejeune, Résimon et Cheval. Classement par classe, Pernell s'impose en N3, Andersen en N2, Kicken en N1 et Berthelot en A5. Voilà tout pour Ypres, cinquième manche d'un championnat de Belgique des rallyes internationaux qui va maintenant se reposer jusqu'à Lommelo van Vlaanderen en septembre à Roulers-Rouselaar. Quant à nous, d'ici là, on ne va sûrement pas se reposer. D'ailleurs, la preuve, le week-end prochain, on a déjà deux activités importantes et intéressantes à vous proposer. Les 3 et 4 juillet, Chimay accueille un événement unique en Belgique, un sprint sur circuit, le sprint de la principauté de Chimay. À l'affiche, des protos, des voitures de tourisme, des formules et des barquettes. Ce sprint comptera pour les championnats de Belgique, de Namur et de Brabant. En attraction, du grand frisson avec le championnat de la communauté française sur deux roues. Du spectacle, il y en aura également ce week-end dans le Limbourg. Alors rendez-vous dimanche 4 juillet autour du panoramique circuit de Maasmechelen, bien connu des adeptes du Champions Day. Avant de vous quitter, je vous rappellerai que Champions n'arrêtera pas cet été. Alors si vous ne partez pas en vacances, nous resterons avec vous pendant tout le mois de juillet et nous vous proposerons en juillet deux émissions spéciales. L'une rétrospective du championnat du monde des rallyes qui sera assez spectaculaire et l'autre qui sera tout à fait passionnante, ce sera un Champions spécial caméra embarquée. La semaine prochaine, nous vous proposerons du rallycross belge et européen, le championnat de France et le championnat d'Allemagne des rallyes, et puis le portrait d'un équipage féminin. Et puisque je sais que vous êtes sensible au charme des dames, voilà qui devrait vous attirer. Par conséquent, terminé pour Champions 99, numéro 26 depuis Ypres, et on se retrouve bien entendu, fidèle au poste, mercredi prochain.